Allô, tu es bien arrivée, ma chérie, tout va bien? Très, très bien. J'ai une chambre sur la mer, la plage est fantastique. C'est formidable, papa. Oh, pas du tout, je suis en pleine forme. Je vais même aller me promener un peu avant le déjeuner. Non, non, t'inquiète pas, je fais très attention, il m'arrivera rien. Mais non, t'inquiète pas, je te dis. Non. D'accord. Mais oui, papa. Oh, il y a un parachutiste! Devant la fenêtre, il y a un parachutiste tiré par un bateau, c'est magnifique! Ah! Allô? 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 Papa? On a été coupé, oui. Je te disais de pas t'inquiéter, il n'y a aucune raison. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui peut m'arriver? Vous êtes blessé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Venez, je vais m'occuper de vous. Oh. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, dis donc, c'est pas ton jour, hein? Me permite su atención, por favor, señores pasajeros. En unos minutos más estaremos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Acapulco. Sírvanse a abrochar el cinturón de su asiento, colocar el respaldo del mismo en posición vertical y abstenerse de fumar durante nuestro aterrizaje. Gracias. May I have your attention, please? In a few minutes more, we shall be landing in Acapulco's airport. Please fasten your seat belt, set the back of your seat in a vertical position and refrain from smoking during our landing. Thank you. Su atención, por favor. Satena anuncia la llegada de su vuelo 155 con destino a la ciudad de Guadalajara, en México. Pasajeros, favor de abordar el avión por la salida A. Your attention, please. Satena announces the departure of the flight 155 bound to Guadalajara, Mexico City. Passengers, please board plane at gate A. Les urgences, à la porte principale. Arrêtez! Stop! Monsieur le Président, je pourrais vous parler un petit instant, Monsieur le Président. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Voyez ma secrétaire. C'est au sujet de votre fille, Monsieur le Président. Venez. Je vous écoute. Ce que je vais vous proposer va vous paraître absurde, Monsieur le Président. Ça fait plus d'un mois qu'elle a disparu. La police n'a rien retrouvé et le privé que j'ai envoyé là-bas n'a rien retrouvé non plus. J'ai vu un radiesthésiste hier, Monsieur Meyer. Un type avec un pendule. Plus rien ne peut me paraître absurde. Vous allez tout de même me prendre pour un fou, Monsieur le Président. Excusez-moi.
S'il vous plaît. Je peux vous emprunter ça un petit instant? Il y a la comptabilité, un garçon qui s'appelle Perrin, monsieur le président. François Perrin. Pourriez-vous lui demander de nous rejoindre dans la salle du conseil? Je ne suis pas sûr que ça marche, mais on va faire une petite expérience. Ça fait 10 ans que je travaille ici, monsieur le président. Et chaque fois que vous m'avez parlé de votre fille, c'était pour me raconter une catastrophe. Le nombre de pépins qu'elle a pu avoir, c'est ahurissant. Je crois que c'est la fille la plus malchanceuse que je connaisse. C'est fascinant, la malchance, monsieur le président. Fascinant. Monsieur Perrin est là, monsieur le président. Faites-le entrer. Vous allez lui demander de s'asseoir. Comment? Dites-lui de s'asseoir, c'est tout. Monsieur le président. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Il faut que je m'assoie. Oui. Où? Où vous voulez. Je suis désolé. Je vous remercie, monsieur Perrin. Vous pouvez nous laisser maintenant. Si votre fille était entrée ici, monsieur le président, elle aurait sans doute fait la même chose. Monsieur Campana est là, monsieur le président. Entrez, monsieur Campana. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Je vous présente M. Meyer, notre psychologue d'entreprise. M. Meyer a eu une idée et j'ai voulu tout de suite vous la soumettre. Asseyez-vous. Vous vous souvenez qu'avant de vous envoyer au Mexique pour faire votre enquête, je vous avais parlé de la malchance de ma fille. Oui. Eh bien, c'est en partant de là que M. Meyer a mis sur pied une théorie qui peut paraître absurde à première vue, mais... Enfin, allez-y, Meyer. D'après moi... La seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. Un type comme vous ne peut pas la retrouver, parce que vous êtes normal. Tandis qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes pots de banane qu'elle, se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire. Je peux vous parler, ça la seule une seconde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Laissez-nous, Lambert. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Des gugus comme ça, j'en ai rencontré des tas. Ils n'ont jamais retrouvé personne. Campana, écoutez-moi. J'ai passé 42 jours là-bas. Et j'ai fait tout ce qu'on pouvait y faire. Ne croyez pas ce genre de type, monsieur Benz. Ce sont des marchands d'espoir. Vous allez repartir pour le Mexique avec François Perrin et vous allez reprendre l'enquête à zéro. Avec qui? François Perrin. C'est un garçon qui travaille à la comptabilité. Meyer l'a étudié et c'est exactement ce qu'il nous faut. Trouvez-vous quelqu'un d'autre, je suis désolé. Ne me laissez pas tomber, Campana. Je vous en supplie. Ne me laissez pas tomber, c'est mon dernier espoir. Le voilà. Je l'ai connu il y a 2 ans quand il s'est présenté chez Benz. C'est moi qui lui ai fait passer les tests et depuis je l'observe. Il est phénoménal. Il a l'air tout à fait normal, oui. Il est né à 7 mois, prématuré. On l'a mis dans une couveuse. Vous savez ce qui s'est passé? La couveuse est tombée en panne. Je suis désolé, ces histoires de malchance, j'y crois pas. C'est de la foutaise, tout ça. Vous connaissez Delacroix, monsieur Campana? Eugène Delacroix, le peintre? Oui. Eh bien, savez-vous qu'à l'âge de 3 ans, Delacroix s'est pendu en jouant avec une cordelette de rideau? On le sauve in extremis, mais quelques jours plus tard, sa moustiquaire s'enflamme. Il est gravement brûlé. On l'envoie en convalescence chez des parrains à Marseille. Et là, un domestique le laisse tomber à l'eau. On le repêche par miracle, on le ramène à la maison.
et il s'étouffe avec une grappe de raisin. Tout ce que je vous racontais est rigoureusement authentique. Delacroix est un exemple d'homme poursuivi par une incroyable malchance. Monsieur Perrin est là, monsieur le président. Vous jouez le jeu, Campana. Vous savez exactement ce que je pense de cette affaire. Faites-le entrer. Entrez, monsieur Perrin. Vous connaissez monsieur Meyer. Je vous présente monsieur Campana. Asseyez-vous, monsieur Perrin. Vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué, monsieur Perrin. Oui, oui, effectivement, monsieur le président. Vous n'ignorez sans doute pas ce qui est arrivé à ma fille. Quelle terrible histoire, monsieur le président. Vous pouvez m'aider, monsieur Perrin. Moi? Oui, vous. Monsieur Meyer, qui vous connaît bien, nous a affirmé que vous aviez une sagacité, un esprit déductif peu commun. Je vous demande de partir pour le Mexique à la recherche de ma fille, monsieur Perrin. Vous êtes mon dernier espoir. Au Mexique? Monsieur Campana partira avec vous. C'est un enquêteur professionnel qui vous servira d'assistant. Alors, c'est oui, monsieur Perrin. Ravi de travailler avec vous. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans votre enquête, mais à Dodo, ça va changer, vous allez voir. Je vais me donner un fond sur ce coup et ça va faire mal. On fera sûrement une bonne équipe tous les deux. Un chariot. Oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes bagages. Mais vous fâchez pas, t'as pas marqué dessus qu'il est à vous le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde! Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises. Bon, ben, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non, mais permettez, c'est monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas. Je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi, alors. Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. PD. Je suis arrivé à un contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là. C'est la première fois que je vois ça. Le système électronique d'une porte qui se bloque, c'est la première fois que je vois ça. Ça va mieux?
Les bagages sont enregistrés. Hein. Si on n'y va pas tout de suite, ils vont partir sans nous. J'ai la tête qui tourne un peu. Le système électronique d'une porte qui... Oui, bon, on va le louper, hein. J'ai jamais vu ça. Allez, venez, vite. Merde. Quoi? Ma mallette. Je l'ai oubliée à l'infirmerie, j'ai tous mes papiers dedans. C'est pas la peine. Vous fatiguez pas, c'est foutu, on l'a loupé. Une seconde. Embarquement immédiat, porte numéro 45. Ça y est, c'est arrangé. Et voilà. Bon, je vais chercher ma mallette, on a tout notre temps maintenant. Vous n'avez pas fait le coup de l'alerte à la bombe tout de même? On n'a pas raté l'avion, c'est essentiel, non? Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait, c'est dégueulasse. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, Campana. J'ai dit à M. Benz qu'on partirait aujourd'hui, on partira aujourd'hui. Vous apprendrez à me connaître, Campana. Quand je suis lancé, c'est difficile de m'arrêter. Monsieur Perrin, veuillez nous suivre, Monsieur Perrin. C'est bien votre valise, Monsieur Perrin? Oui. Nous sommes navrés, c'est un accident de contrôle. Comment? Bah oui, il y a un con qui nous a fait le coup de l'alerte à la bombe. Il n'y avait pas de bombe, mais votre bagage a un peu souffert des manipulations de déminage, M. Perrin. Alors vous allez faire un état des objets que vous transportiez pour être indemnisé. Départ à destination de New York. Vol Air France 015. Vous l'avez enregistré. C'est pas la peine, elle peut passer comme bagage en main maintenant. L'embarquement est terminé, messieurs. C'est pas grave, on partira demain. Il y a pas un vol d'ailleurs au Mexico pour Acapulco? Oui, monsieur, à 14h. Bon, ben voilà. Alors on va se poser à Acapulco et on prendra la correspondance pour Puerto Vallarta. Hein? Ça vous évitera de perdre une journée. Allez, venez. Vous aimez l'avion, vous? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Marquis, la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. C'était à Orly, au décollage. Les volets sont restés coincés. On n'a pas pu monter. On a quitté la piste, on s'est planté dans un champ. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, ben, ça va. Il roule bien longtemps, je trouve. On arrive en bout de piste, non? Merde! Ça va pas tirer comme ça, vous m'avez fait peur. Et décolle pas ce putain d'avion. Ah, vous avez remarqué, vous aussi. Ça y est, on a décollé. Vous avez peur, l'avion, quoi? Vuelo 462 con destino a Los Ángeles. Favor pasar a chequear a la inmigración sala B. Puerto Vallarta, 16h30. Ça va. On a encore une heure devant nous. C'est pour monsieur Langlumé, le chef comptable. Je lui ai écrit amitié d'Acapulco. Ils vont crever. Voyons qui j'ai oublié. Cette porte qui a resté bloquée à Orly. Oui. Ça vous étonne pas? Si. Mademoiselle Martin. Elle est gentille, mademoiselle Martin. Telle qui m'a ramassé quand je me suis électrocuté.
Vous vous êtes électrocuté? Oui, au bureau. En branchant la machine à café. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café, du jus, du courant. Bon. Je vais me laver les mains, je reviens tout de suite. La dame des lavabos. Je lui donne un franc, elle en veut pas. Elle veut de l'argent mexicain. Elle me dit pesos, pesos. Je lui dis, mais j'en ai pas de pesos. Alors finalement, je peux vous prendre une salière, monsieur. Bien sûr. Finalement, elle a pris un franc, mais alors quelle cirque. Pesos. Ça les ses œufs. Quelles sont vos intentions maintenant, Perrin? Comment? On sera à Puerto Vallarta en début d'après-midi. Vous êtes censé reprendre une enquête. Vous avez un plan? Je compte procéder d'une manière très classique. Ah oui? Et c'est quoi la manière très classique? Eh bien, on s'infiltre dans le milieu, on recueille des renseignements. Le milieu? Ouais, la pègre, quoi. Oh, pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai traversé ce foutu pays dans tous les sens pendant plus d'un mois, j'ai jamais rien trouvé, Perrin. Mais je suis là maintenant. Je ne voudrais pas vous décourager, mais elle a disparu depuis 42 jours. Et on n'a pas la moindre piste. Alors je ne vois pas comment. Vous m'écoutez, Perrin? Oui, oui. Elles sont pas mal, les filles, dans ce pays. Aïe! Oh merde! Tout le monde vous regarde, c'est fini, cirque. Quoi, c'est fini, cirque? J'ai une hémorragie, il faut bien faire quelque chose. Arrêtez vos clowneries, allez à l'infirmerie. Entrez. Vous avez mis le temps. Elle était très mignonne, la fermière. On a sympathisé. Je lui ai raconté que je m'étais cogné à Orly, et elle a eu exactement le même cas il n'y a pas longtemps, c'est drôle. Quel cas, il s'était pris la porte dans le nez. Une Française, en plus. Une jeune fille. Marrant, non? Qu'est-ce qui vous arrive? Attendez-moi ici. Oui, elle lui ressemble. L'autre était blonde. Mais oui, elle lui ressemble. Le type qui l'accompagnait? Il s'appelle Arbal. C'est un voyou. Et où on peut le trouver? Ça fait 5 ans qu'on le recherche. C'est tout ce que vous pouvez me dire? Si vous voulez plus de renseignements, vous allez voir le commissaire Custao. Vous le trouverez au commissariat central. On peut l'appeler d'ici, si vous voulez. Oui, police de l'aéroport. Passez-moi le commissaire Custao. Ben alors, on l'a loupé? On part pas. Comment ça, on part pas? Nos bagages sont partis, qu'est-ce que vous faites? La fille qui s'est cognée à la porte ressemble à la petite Benz. Quel genre de voiture désirez-vous, monsieur? Même âge, même visage, mais les cheveux noirs et elle voyage avec un voyou. Les flics ont reconnu le type. Ils le recherchent depuis longtemps, il s'appelle Juan Arbal.
Je dois voir le commissaire qui s'est occupé de l'affaire. On a rendez-vous au commissariat central à 6 heures. Finalement, c'est pas une mauvaise chose de m'être cogné le nez. C'est vrai, si je m'étais pas cogné, on n'aurait pas atterri ici. Ah, commencez pas à m'emmerder avec ces conneries, vous, hein. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est une coïncidence, hein. Et surtout, rien ne prouve que c'est la petite Benz, alors... vos salades, vous les gardez pour vous et vous me laissez faire mon travail. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas votre attitude depuis le début. Vous conduisez comme si vous étiez le chef. Monsieur Benz a pourtant bien défini les rôles. Je fais l'enquête et vous êtes mon assistant. Alors ne m'obligez pas à lui téléphoner. Ça va être dur. Comment? Non, rien. Attention, hein. Allez, roulez. Il me reste une très belle suite sur la mer et une petite chambre sur le parking. Je prends la suite. Je vous donnerai la chambre à monsieur. Rendez-vous au bar dans une heure pour un petit briefing. T'es là, mon vieux. Vous comptez rester ici combien de temps, monsieur? 2-3 jours maximum. Vous avez de l'eau dans votre chambre? Hein? Dans la salle de bain, vous avez de l'eau? Ben oui. Moi pas, j'ai pas pu me doucher. Je l'ai signalé à la réception. Bon, faisons un peu le point. À quelle heure on voit votre commissaire? 6 heures. Comment vous voyez la suite des opérations, vous? Il y a une chance sur 1 million pour que cette fille de l'aéroport soit la petite Benz. Oh. On va rester ici un jour ou deux pour tirer ça au clair. Le flic de l'aéroport m'a dit qu'elle avait perdu son sac en s'enfuyant. À l'intérieur, il y avait un passeport au nom de Ginette Lefranc. C'était un faux. Ça vous intéresse pas du tout, ce que je vous raconte, hein? Si, si, je vous écoute. Je vous disais que le passeport de la fille était faux. Mais rien de tout ça ne prouve que c'est la petite Benz. Il faudrait imaginer qu'on l'a enlevé, drogué. On lui a mis une perruque. C'est fini, oui. Excusez-moi, mais je crois que j'ai un ticket. $50. Pardon? C'est une pute, $50, elle se couche tout de suite. Alors là, mon vieux, vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. D'abord, je sais reconnaître une professionnelle. Et ensuite, je crois savoir quand je ne laisse pas une femme indifférente. Vous allez la voir et vous lui dites simplement 50. Et vous vous retrouvez tous les deux dans votre chambre dans 3 minutes. Vous m'étonnez. Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas. Oui, pour en revenir à la petite Benz, J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Bon, ben ça va, je me suis trompé. On va pas revenir à la soirée, maintenant. C'est la première fois que je prends une gifle devant tout le monde. Et c'est grâce à vous. Et vous l'avez fait exprès. Mais pas du si, tout. Vous l'avez fait exprès. Pour me rendre ridicule, parce que vous êtes un salaud. Mais c'est une pute! N'importe quel homme lui propose $50, elle monte!
N'importe quel homme, mais pas vous. Et pourquoi pas moi? Pourquoi vous vous cognez le nez dans les portes? Pourquoi c'est votre valise qu'on écrase? Et pourquoi il n'y a pas d'eau dans votre chambre, hein? Pourquoi? C'est vous qui avez traité mon ami de pute? Non, c'est lui. Mais non, personne n'a traité personne de pute. T'as mal entendu, il n'y a pas de raison de s'énerver. C'est pas vrai, il a même dit qu'elle valait $30. 50. Très bien. Bon, ça va. Bon, ça va, ça va. Ne nous fâchons pas. Permettez-moi de me présenter. François Perrin. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, mais c'est mon camarade le fautif. Je ne me serais jamais permis quant à moi. Je suis pardonné. Peut-on vous dire qu'on vous trouve charmante? Excusez-moi, j'ai pas de carte. Mon nom, c'est François Perrin. Appartement 3. Vous m'appelez à l'hôtel? Et on boit un verre tranquillement. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire tous les deux. Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite. Au revoir, toi. Ça y est, c'est arrangé. Oh, 6h-10. Faut y aller, Campana. On va rater le commissaire. Sept ans de malheur. Oh putain. Elle avait ça dans son sac. C'est elle et c'est pas elle. Elle a l'air complètement droguée. Eh ben, Perrin. Perrin, ça va pas? Si, si, ça va. Excusez-moi, je vais prendre un peu l'air. Il est très émotif. Non, non, il s'est cogné la tête ce matin à Paris, puis là, il vient de se la recogner. C'est pas son jour, dites donc. C'est jamais son jour. Il est tombé? Sûrement, oui. Moi, ça m'étonnerait que ce soit elle. Le type qui l'accompagnait n'a pas les épaules. Je le vois pas se lancer dans un kidnapping international. Et puis, personne n'a demandé de rançon, surtout. Ce type, il s'est pas manifesté depuis l'aéroport? Non. Enfin, il y a certainement des gens qui le connaissent en ville. Il a vécu avec une fille qui s'appelle Sonia. Elle travaille dans un bar, le Sunny Club. C'est un bar à putes qui se trouve sur le port. Ça va? Comme ça. Je vais vous déposer à l'hôtel. J'ai un peu mal à la tête. Vous allez où, vous? Sunny Club. Je vais prendre des aspirines et dormir un bon coup. C'est quoi le Sunny Club? Un bar à pute. Peut-être pas bon que je me couche maintenant pour le décalage horaire. Oui, j'ai peur de me réveiller très tôt demain matin. Vaut mieux que je me couche pas tout de suite. Je l'accompagne. Mademoiselle Sonia, s'il vous plaît. Ne travaille plus.
Elle est partie il y a 3 semaines. Elle n'a pas laissé d'adresse. En route ? On boit bien quelque chose, moi j'ai un peu soif. Boire à l'hôtel, venez. Ah, attendez, il n'y a pas le feu. On va interroger une de ses camarades. On va se coucher, on a du travail demain. Allez, vous couchez. Je reste sur le pont, moi. Sur le pont ? Qu'est-ce que vous avez foutu sur le pont ? Je viens de vous le dire, interroger un témoin. Vous payez une pute, oui, au Fred Benz. Quelque chose clairement permis. Qui a parlé de payer ? Alors, vous dessinez ou quoi ? Corazón, llévame. Vamos, mi amor. Papito, cómeme. Hola, guapo. Peut-on vous offrir un verre, mademoiselle? Uh-huh. Hello, darling. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, mademoiselle? No speak French. Hey, champagne. Perrin. Vous parlez l'espagnol? Hein? Parce que pour interroger le témoin, ça va pas être commode. Vous avez peut-être raison, oui. Je vais en prendre une autre. Je vais me débrouiller. En anglais. Je vais l'interroger en anglais. Un ami. One amigo of me. You peut-être connaître. Vous avez appris l'anglais, vous. Pourquoi? Non, non, pour rien. $50. Allez, Campana, détendez-vous. Tenez, je vous donne quartier libre ce soir. Vous voulez pas en interroger une? Allez, larguez-moi ce boudin et foutons le camp d'ici. Cette fille sait quelque chose, c'est évident. Je suis sûr qu'elle sait quelque chose. Elle sait qu'elle a trouvé un gros pigeon, c'est effectivement évident. Excusez-moi, mais j'ai la danse dans le sang. Donnez-moi votre fric. Hein? Votre fric, donnez-le-moi. Pourquoi? Parce qu'elle va vous le piquer, espèce d'abruti. Vous allez vous faire michetonner, alors donnez-moi votre fric. Comment vous m'avez appelé, là? Hein? À l'instant, là, vous m'avez traité de quoi? Connard? Non, 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 non. Vous m'avez traité de quoi? Du con? Faites exprès, hein. Mais pas du tout, je sais pas, j'ai pas fait attention. Eh bien, moi, je sais. J'oublierai pas. Je m'en vais, Perrin. Je serai peut-être pas à l'hôtel quand vous rentrerez. Je commence à en avoir par-dessus la tête de vos conneries. Ouais, bah, un assistant comme ça, je peux m'en passer. Je suis fatigué. Excuse-moi, fatigué. Pouf. Non. 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 Tiens. Vois.
Coco. Hello. No taxi, I drive you, okay? Okay. Come. Thank you. Okay. Vous êtes vraiment très aimable. I speak French. C'est pas grave. C'est incroyable la vie tout de même. Hier j'étais à Paris, j'étais tout seul, il faisait gris, je faisais de la comptabilité. Aujourd'hui je suis au Mexique, il fait beau. Je suis avec une jolie fille et j'ai une vie d'aventurier. J'ai une chance inouïe, non ? La réception ? Monsieur Perrin n'est toujours pas entré. Merci. Qu'est-ce qu'il fout, cet abruti ? Vous êtes sûr que c'est le chemin de l'hôtel ? C'est pas la direction de l'hôtel, dites-moi. Not the direction of the hotel. Mais où vous m'emmenez? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis parvenu dans une heure, tu rentres chez toi. Salut. Si monsieur Perrin arrive, vous lui direz que je suis parti le chercher. Oui, monsieur. Appelez un médecin. C'était la fille du bar ? Mon argent. Tout mon argent. À tout à l'heure. Attendez. Je vais venir avec vous. Bagagiste, mettez-moi ça dans ma voiture. Je t'écoute. Elle habite avec Fernando. Il dirige un cercle de jeu. On peut entrer ? C'est privé. Quelles sont les formalités pour faire partie du club ? Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! J'ai pas bien compris. Ouvrez, on entend mal. Monsieur Fernando, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez à monsieur Fernando ? On vient tirer le dépôt qu'on a fait chez vous. $2,000. Personnel. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs. Messieurs, dames. On devrait être en train de se défoncer pour retrouver Herbal, mais non, on fait les comptes toute la nuit.
On fait des cons parce que le séducteur s'est fait mistonner par une pute. Et arrêtez de renifler, merde! Je suis désolé, Campana. Je reconnais que j'ai eu tort, mais je vous demande de m'excuser. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous faites, là? J'ai un Kleenex. C'est mon mouchoir, c'est pas grave. Oh, pardon. Mais je suis chamboulé, moi. Là, je vais me reprendre, on va retrouver Herbal. Dis comment, cet Herbal? Physiquement, je veux dire. Taille moyenne, brun, les yeux noirs. Mais moi, je connais pas une photo. Mais j'en ai une, qu'est-ce que vous croyez? Ça fait 10 ans que je fais ce métier. C'est pas grave, vous savez, vous n'êtes pas physionomiste, bon, vous n'êtes pas physionomiste. Il m'arrive souvent, moi, de ne pas reconnaître les gens. On peut être très bon policier et avoir une mauvaise vue. À un certain âge, ça baisse la vue. Bien. Mmh. Merci. J'ai déjà donné. Écoute-moi bien, je m'appelle Campana et je suis pas de la police. Je veux récupérer cette fille. Si tu me dis où elle est, je te donne $1000 et tu files. Descends. Descends! T'as 5 secondes pour me répondre. 1, 2, 3, 4. Que des emmerdes. Je savais que j'aurais que des emmerdes avec cette fille, je le savais. C'est elle. Vous croyez? Que des emmerdes, c'est elle. Que des emmerdes, je le savais. Oh, mon pauvre vieux. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Je t'écoute. Moi, je lui voulais aucun mal, je vous le jure. Quand je l'ai ramassé, je savais pas qui c'était. C'est la vérité. Et puis après, quand je l'ai su, je m'en suis débarrassé parce que cette affaire, c'était trop gros pour moi. Alors je l'ai refilé à Fernando. Le patron du club de jeu? Oui. Où est-elle maintenant? J'en sais rien, je sais pas ce qu'elle est devenue, j'en sais rien du tout. Mais je veux surtout pas le savoir. Ah. Allez. Allez. En route. On va le ramener à sa partie de cartes. Je voulais parler à ce Fernando. Sur nos clubs. Encore? 3 fois? Non, non, pas moi. Je veux pas aller au club. S'ils savent que je vous ai parlé, ils vont me descendre. Donnez-moi mon argent. Non, je n'ai pas sûr, moi, avoir passé par l'hôtel. En route. En route. Passe encore. Ah ben on s'est enlisé. Oh c'est pas vrai. Oh mais quel con alors! Qui ça? Qui ça? Mais vous! Vous n'avez pas idée de se garer dans cette merde! Mais gueulez pas comme ça. Vous me dites de m'arrêter, je m'arrête où je peux moi. Et vous arrêtez dans la merde, c'est bien ce que je dis. Je m'arrête peut-être dans la merde, mais j'ai pas du caca dans les yeux, moi. Comment? Je dis j'ai pas du caca dans les yeux.
Quand j'ai la photo d'un type dans la poche, je suis pas obligé de faire deux voyages pour le reconnaître. Ah oui? Oui, je me marre. Le grand professionnel qui a du caca dans les yeux, je me marre. Il a pas arrêté de m'engueuler toute la journée, le grand professionnel. Et quand il se connaît un coupable, il dit pardon et il s'en va, alors je me marre. Attention! Perrin, vous n'avez rien? Non, non, ça va. C'est grave? Chut. Que des emmerdes. Je le savais. Il est mort? Ça sent l'essence, non? Il est mort. Il y a une balle dans le réservoir. Et alors qu'il est, la petite Ben, c'est peut-être dans un bordel au Venezuela. Il y a beaucoup de bordel au Venezuela. Eh ben, on les fera tous, voilà tout. Jour et nuit, s'il le faut, je dormirai pas. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on les fera tous. Vous demandez une rallonge de frein, monsieur Benz. Qu'est-ce que vous faites? Je coupe. Vous n'allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose? Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sony Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre, les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé... Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien, et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça ne serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans le sable mouvant. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Accrochez-vous! Merde! J'ai perdu une chaussure. Vous vous reposez jamais, Perrin? Venez vite! Le commissaire Coustao, j'espère qu'ils l'auront fait. Ouvrez! Mais ouvrez, nom de Dieu! Fatiguez pas, ça sert à rien. Oh, ça sert à rien. Ça fait 2 ans que je suis là, moi. Les voilà! Ils vont en prendre un de nous trois, au hasard! Ils vont cogner dessus, comme des brutes! C'est leur grande distraction. Ça veut dire quoi, ça?
Il y en a un de nous trois qui va en prendre plein la gueule. Ah bon? Pourquoi vous me regardez comme ça? Toi. Moi? Oui, toi. Viens avec nous. Allez. Merci, camarade. Ça va, Campana? Ça va. Vous avez mal. Oh, venez, venez. Asseyez-vous. Reposez-vous un peu, hein? Ouais. Campana, vous êtes fait mal? Non, non. Ne me touchez pas. Non, non, non. Ne m'approchez pas. Tu n'as pas de chance, camarade. Ça n'existe pas, la chance! J'y crois pas! Merde! Merde! C'est toi qui gueule? Allez, viens par ici! Qui ça? Campana et Perrin? Oh, nom de Dieu, j'arrive. Campana! Oh là 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 là, Campana, je suis absolument désolé. Merci de me prévenir. C'est un malentendu absurde. Ils ont retrouvé Arbal sur la route et ils ont pensé que vous l'aviez tué. Je vous raccompagne à l'hôtel et je vous prie de nous excuser. C'était bien la petite Benz. On a peut-être encore une chance. Où est-elle? Non, laissez-moi faire. Allez vous reposer. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Allez. Campana? C'est Gustav. Oui, il a parlé. Je dois malheureusement vous annoncer une mauvaise nouvelle. Elle est morte. Eh bien, c'est tout comme, oui. Ils ont voulu la cacher, ils l'ont emmenée en avion, mais l'avion n'est jamais arrivé. Ouais. Il a dû tomber quelque part dans la forêt vierge. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas eu de demande de rançon. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je suis désolé pour vous, Campana. Je vous laisse le soin de prévenir le père. Au revoir. Monsieur Benz. Monsieur Benz. Tant qu'on n'aura pas la preuve qu'elle est morte dans l'accident, je n'y croirai pas. Elle a traversé trop de catastrophes dans sa vie pour qu'on perde espoir. Elle a un ange gardien extraordinaire, Monsieur Benz. Un ange gardien qui a eu tellement de boulot avec elle qu'il est surentraîné. Il faut lui faire confiance. Je n'y crois plus, Meyer. On ne retrouve pas un petit avion de tourisme dans la forêt tropicale. Non. C'est foutu. Pas sûr. Je suis désolé, monsieur, j'ai buté dans votre chaussure. C'est pas grave. C'est ma faute, j'avais qu'à l'arranger. Rapportez-moi la même chose. Vous ne voulez pas que je dise à la femme de chambre de venir?
Non, non, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, allez. Allez. La petite Ben s'est foutue, on rentre. Comment? Elle a eu un accident d'avion, on n'a plus rien à faire ici. Vous pouvez être prêt dans combien de temps? Allô? Ah, bonjour, monsieur. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Campana, monsieur Meyer a une idée. D'ailleurs, je vous le passe, il va vous expliquer lui-même. Allô? Bonjour, voilà. Vous allez louer un avion. Oui, louer un avion, mettre Perrin dedans et tourner au-dessus de la forêt. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Bon, enfin, moi, je discute plus. Je vous rappelle. Au revoir, monsieur Meyer. Conneries de merde, putain de conneries de merde. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas admettre que c'est foutu. Et qu'est-ce qu'ils disent? De vous mettre dans un avion et de faire des ronds au-dessus de la forêt. Curieuse méthode. Entrez. Vous êtes prêts? Vous avez de l'eau dans votre chambre? Oui, c'est pareil, pourquoi? En route. Je suis content de faire un petit tour en avion, ouais. Le classé est défait. Hein? Le classé est défait, là. J'ai cassé mon lacet. C'est pas grave. C'est un signe. Un signe de quoi? Je me comprends. Et des parachutes dans votre avion? Des parachutes? Non. Vous avez déjà vu des parachutes dans les avions de tourisme, vous? Il n'y a pas moyen de s'en procurer. Eh ben, vous avez confiance en moi, dites donc. Ah non, non, il ne s'agit pas de vous. Je dois avoir un pépin mécanique. Il est optimiste, votre copain, hein? Il va finir par nous porter la poisse, ouais. La meilleure, ça va. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, vous. Si vous sentez pas bien, je peux y aller tout seul. Vous croyez? Mais oui. Moi, ça me dérange pas. Je fais une petite reconnaissance avec le pilote, puis je vous retrouve à l'hôtel. C'est vrai. C'est vrai, dans le fond, vous avez raison. Pourquoi s'entasser à deux dans ce petit avion? C'est absurde. Allez vous reposer. Tout à l'heure. Perrin. Au revoir, Perrin. Une guêpe, ne bougez surtout pas. Comment? Une guêpe, je suis allergique. Ne bougez pas. Aïe, merde. Si elle me pique, je meurs. Oh. Puisque je vous le dis. En vacances, une fois, j'étais piqué. Une semaine d'hôpital. Failli crever. Je gonfle, puis je me mets à étouffer. On va attendre combien de temps comme ça? Je sais pas. Ça dépend pas de moi. Bougez pas. Faut pas l'affoler, je vous dis. Elle est comment, là? Elle est affolée? Non, pas du tout. Elle est très calme. Excusez-nous, hein. Non, non, moi, je m'en fous. Je suis payé à l'heure. J'ai l'impression qu'elle s'est assoupie. Perrin, si elle fait sa nuit... Faites pas rire. Si je ris, c'est foutu. Oh là là. Oh là là. Malheur. J'ai eu chaud. J'avais mal au cœur, dit-on. Ça va aller? Je crois, oui. Bon, bah, je viens avec vous. Non, c'est pas la peine. Ça va aller, je vous... Allez, en route. C'est pas des blagues, vous savez. Je suis vraiment allergique. Cette famille, l'allergie. Ma mère a de l'asthme. Je me souviens que ma grand-mère, quand elle mangeait des fraises, oui. Eh ben, elle attrapait, c'est comme des petites rougeurs plein la figure, ouais. Avec des petits boutons comme ça. C'est ça. Ah.
C'est parti. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sais pas. Oh, c'est un clou, une aiguille. Merde alors. On peut fumer? Oui, oui, allez-y. Non. Non, merci. Ça m'a fait comme une décharge électrique, dit-on. Oh. Tout va bien? Impeccable. Êtes sûr? Hein? Vous êtes sûr que tout va bien? Puisque je vous le dis. Quel con, ce Meyer. Comment? Non, rien. C'est extraordinaire, cette végétation. Quelle richesse, quelle luxuriance. Perrin, ça va? Ça va, vous? Perrin! Mexique. Terre de contraste. Atterrissez le plus vite possible. Hein? Atterrissez le plus vite possible! Pourquoi? Oh, nom de Dieu! Campana! Campana, j'étouffe! Vous avez encore besoin de moi? Non, non, ça va, vous pouvez partir. Ça va, Perrin, ça va aller. Il y a un hôpital tout à côté d'ici, on y sera dans 10 minutes. Merci, Campana. Ça va, vous êtes tiré d'affaire. Ça va mieux? Ça va. Je suis tiré d'affaire. C'est très étrange l'histoire de ce type. Comment? Son village a été incendié, on l'a ramené ici pour le soigner. Et alors? Venez voir. Oh. Toi, racontez à mon ami ce qui est arrivé dans ton village. Ah! La nuit, quand il rêve, il parle d'une jeune fille. Il dit fille à œil rond, arrivée dans le village et tout flambé. Vous avez la photo de la petite Benz? Ah! Intéressant, non? Ah! 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 Ça suffit, c'est pas un jeu. Allez. Tu connais cette jeune fille? Oh, tu connais cette jeune fille? Non, 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 tu n'iras plus rien. Il est trop choqué. Hein. Allez. Qu'est-ce que vous décidez? On va faire un saut dans ce village indien. Je n'osais pas vous proposer. Je sais que vous aimez la logique et ça n'est pas très logique tout ça. Je me fais piquer par une guêpe. Taisez-vous. Il y a tout de même dans cette enquête une ou deux coïncidences troublantes. Est-ce qu'il est broyant, ce type? Je connais surtout l'Espagne, moi. Je vais tous les ans en vacances avec ma mère. C'est joli aussi. Bah pareil.
C'est fou le nombre de choses qui me sont arrivées depuis que je vous ai rencontré. À moi aussi. Ouais, c'est pas grand chose, hein. Y a quelqu'un ? C'est ce que je craignais. Pardon ? Tout a brûlé, ils ont foutu le camp. J'espérais qu'il en serait resté quelques-uns, mais c'est raté. On les retrouvera plus. Pourquoi ? Perrin, pour retrouver dans la forêt tropicale des Indiens sinistrés qui ont vu une fille à l'œil rond, c'est pas simple. C'est foutu alors ? Oh, c'est con. Si je rate cette enquête, je pourrais pas monter mon agence, moi. Quoi ? Ben oui. Je voulais prendre une licence de détective privé. Monsieur Benz m'aurait sans doute financé. C'est que je commence à aimer ce métier, moi. C'est dur, mais c'est passionnant. C'était la chance de ma vie, cette mission, Campana. Parce que je peux vous avouer quelque chose maintenant. J'ai pas toujours eu de la chance. Sans blague. Dites-moi franchement, Campana. Mais alors très franchement. Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier ? Oui. Alors vous vous rendez compte ? Un type comme moi à la comptabilité, mais je pourrais plus. Je peux plus, moi, prendre le bus le matin pour me retrouver enfermé dans ce bureau. Quand on a connu tout ça. C'est trop con, parce que je suis doué, vous avez raison. Allez, venez, Perrin, on rentre. Je vous aurais pris comme associé, tiens. On fait une bonne équipe tous les deux, vous trouvez pas ? Très bonne, oui. Oh ! Perrin ! Anna ! Perrin ! Ce singe. Vous avez vu ? C'est insensé, non ? Tenez, vous n'en avez plus besoin que moi. Il y avait un Indien là. Il m'a semblé qu'il avait des lunettes. Ça m'a paru bizarre, cet Indien avec des lunettes. Comment elles étaient, ces lunettes ? Je ne sais pas. Mais vous les avez vues ou pas ? Oui. Ben non. Ben, je roulais et je me suis dit tout à coup, mais il a des lunettes, cet Indien. Oh ! Il doit être loin avec ses lunettes. C'était peut-être les lunettes de la petite Benz. C'était peut-être la culotte de mon beau-frère. Je sais pas, je dormais. C'est vous qui l'avez vu et vous lui avez fait peur. Et on le retrouvera plus. Et il fait chaud et j'en ai marre. Ne bougez surtout pas. Ne bougez pas. Oh, oh là, mais quel con. Oh, quel con, quel con, quel con. Vous êtes blessé, Campana. Vous êtes blessé. Ça va. J'avais une vie un peu plate avant de vous rencontrer, Perrin. Thank you.
qu'est-ce que vous faites encore? Il signale une mission sur la carte à une vingtaine de kilomètres. Pourquoi faire une mission? Pour vos jambes, ils ont sûrement de quoi vous soigner. C'est pas la peine, c'est qu'une égratignure, j'ai pas besoin de soins. Ça peut s'infecter. Il y en a pour une heure, ne discutez pas. C'est ça votre mission? Semaine. Il y a un tremblement de terre il y a 3 semaines? Je sais pas. C'est peut-être une tornade ou un truc comme ça. Bon. Ça me rappelle le pavillon de mes parents à Saint-Cloud. Il y a une tornade à Saint-Cloud? Non, j'avais acheté une bouteille de butane et... C'est tout de même curieux ce qui se passe dans cette région, hein. D'abord ce village incendié, maintenant cette mission, on dirait qu'on suit une sorte de cataclysme. À droite ou à gauche? Hein? À droite ou à gauche? À droite, c'est la piste, mais à gauche, j'ai l'impression que ça raccourcit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous le sentez, vous? Moi, mon instinct me dit d'aller à gauche. À gauche. C'est pas grave, on a qu'à revenir. Ah, je comprends plus. Qu'est-ce que vous cherchez? La petite Ben, si elle n'est pas là! Y'a rien ici! On est paumé et y'a rien! Je me suis laissé embarquer dans vos conneries, voilà le résultat, on est paumé en pleine brousse! Qu'est-ce qui vous arrive, Campana? La fille à l'œil rond, l'Indien avec les lunettes, la bouteille de butane dans le pavillon de Saint-Cloud, et j'ai basculé, moi, j'ai perdu la boule. Voilà où on en est. Allez, donnez-moi le volant. Allez, poussez-vous, nom de Dieu, donnez-moi le volant! Faut trouver cette putain de piste! On va manquer d'essence, on en a pour 10 km maximum. Merde, comme vous voulez. C'est pas beaucoup de monde, hein. Bon, c'est décidé, on s'en va. Pas question. C'est une connerie d'attendre ici. On n'a pas vu une voiture depuis hier, on peut attendre des mois. La règle numéro 1, c'est de ne pas s'éloigner de la voiture. On ne bouge pas d'ici.
J'ai la responsabilité de cette mission, c'est moi qui prends les décisions et je vous dis, on bouge. Et moi, je vous dis d'aller vous asseoir dans ma voiture et de ne plus m'emmerder, c'est un ordre. Un ordre? Vous me donnez des ordres maintenant. Je vais vous ramener vivant, Perrin, faites ce que je vous dis. C'est moi le chef de cette expédition. Vous n'êtes rien du tout. Comment? Vous savez pourquoi on vous a choisi? Parce que vous êtes comme la petite Benz. Vous ne pouvez pas faire un pas sans vous casser la gueule ou provoquer une catastrophe. Voilà pourquoi on vous a choisi. Je ne voulais pas vous le dire, mais vous me forcez à le faire. On est paumé en pleine brousse parce que l'autre dingue, là, Meyer, a des théories sur la malchance. C'est pas vrai. Mais si, mon pauvre vieux. Votre sagacité, votre esprit déductif, ils se sont foutus de votre gueule. Je suis désolé de vous faire de la peine. Mais je ne veux pas qu'on vous retrouve à 20 km d'ici, mort d'épuisement. Installez-vous dans la voiture et essayez de dormir. Je vais vous casser la gueule, Campana. Faut pas m'en vouloir, Perrin. J'étais pas d'accord avec eux. Mais... Défendez-vous. Faites pas l'idiot. Vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous êtes fait mal? Attention, il y a un arbre, là! Une seconde! Voilà! Vous pouvez y aller. Ah, ça va, maintenant, calmez-vous! Perrin! 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 Perrin, vous m'entendez? Oh, le con! On est arrivé, Perrin. On va s'occuper de vous, on va vous soigner. Tout va bien se passer. On est arrivé. Sûrement un traumatisme crânien. Vous pouvez faire des radios ici? Oui, oui, n'ayez crainte. On va s'occuper de lui, monsieur. Il y a un chirurgien? C'est peut-être grave. Faut peut-être opérer d'urgence. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes de la famille? Oui. Prenez bien soin de lui, je vous en prie. On est dans un hôpital de brousse, monsieur Benz. Il s'est cogné la tête, il est dans le coma. Je ne sais pas, ils vont l'examiner, je m'en veux, monsieur Benz. Je le savais depuis le début, tout ça c'était des théories fumeuses, j'aurais jamais dû partir. Mais non, c'est pas votre faute, vous avez voulu y croire. Et moi aussi, pendant un moment, j'y ai presque cru. Bonjour. Bonjour. Où suis-je? Je ne sais pas du tout. Vous entendez les oiseaux? Oui, c'est joli. Oui, c'est très joli.
Perrin!